Servin, Eiger, Grangeras. Trois montagnes mythiques et trois faces nord entrées dans la légende de l'alpinisme à tout jamais. Aujourd'hui, on part à la découverte de ces parois infernales et des hommes qui ont mis leur vie en jeu pour les conquérir. Dans les Alpes, les faces nord des montagnes sont généralement les plus abruptes et surtout les plus exposées au mauvais temps. Bénéficiant de moins d'ensoleillement, elles sont plus propices au gel et à l'abondance de neige. Pour toutes ces raisons, ce sont les faces les plus dures à escalader et sont longtemps restées invaincues. Mais le mythe de la face nord reste quelque chose de très centré sur les Alpes et l'hémisphère nord en général. De façon très logique, le problème est inversé dans l'hémisphère sud et particulièrement dans la cordillère des Andes, où ce sont les faces sud qui sont entrées dans la légende de l'alpinisme pour leurs difficultés. Dans l'Himalaya aussi, les faces sud sont plus souvent ardues. Celle de l'Annapurna en est un parfait exemple. La face sud du Lhotse, dans le massif de l'Everest, reste toujours non gravie, malgré des tentatives chaque année. Ce qu'on appelle les trois grandes faces nord des Alpes sont surtout des parois mythiques par leur ampleur, leur raideur et l'affreuse météo qui y règne souvent. Elles font toutes plus de 1000 mètres de haut, presque intégralement verticales, et sont truffées de difficultés techniques. Ces trois sommets ont tous été gravis au milieu du 19e siècle, lors de l'âge d'or de l'alpinisme, et par leur voie normale. Mais leurs faces nord sont restées trop longtemps des problèmes non résolus pour que leur réputation n'enfle pas. En effet, il a fallu attendre les années 1920 pour voir une génération d'alpinistes se consacrer à ce défi immense durant près de deux décennies. S'il fallait du courage, il leur fallait aussi du talent et de nouvelles techniques, ce qu'ils ne manquèrent pas de proposer. L'Eiger fut le théâtre dramatique d'accidents en série, tandis que la face nord des Grangeras demeura très longtemps convoitée et découragea beaucoup de grimpeurs. À titre de comparaison, la face nord du Servin n'aura connu que deux tentatives d'ascension avant le premier succès. Elle fut la première à être gravie en 1931 par les frères Franz et Tony Schmidt. Trop pauvres pour payer le train, ils firent l'aller-retour en vélo depuis leur ville de Munich, pourtant distante de 500 km. Ils ouvrent la voie en seulement 3 jours et sont célébrés en héros dans le village de Zermatt. Tony trouvera la mort un an plus tard dans une chute alors qu'il effectue l'ascension du Weißbachhorn. Les deux frères recevront la médaille olympique d'alpinisme aux JO de 1932 pour leur exploit au Servin. Dans le massif du Mont Blanc, cela fait un moment que l'on s'attaque sans succès à la face nord des Grangeras, une muraille de 1200 mètres de haut, souvent balayée par les orages et le mauvais temps. L'illustre guide de Chamonix Armand Charlet participa grandement aux premières tentatives d'ascension, mais les difficultés le stoppèrent dès les premières centaines de mètres de paroi. L'éperon central des Grangeras est gravi le 29 juin 1935 par les Allemands Martin Meyer et Rudolf Peters. Ce dernier est notamment connu pour avoir inventé les crampons à 12 pointes, une innovation qui lui donna un avantage décisif dans la face. Peters avait d'ailleurs bien failli mourir dans cette même ascension un an auparavant. À l'été 1934, pris dans une tempête de neige, il parvient à descendre seul après que son compagnon de cordée se soit tué dans une chute de près de 500 mètres. Toutefois, si la face nord était enfin gravie, la voie empruntée n'arrivait pas au sommet. Le véritable point culminant se trouve à la pointe Walker, située bien plus à gauche de la face et dont l'itinéraire semblait comporter de trop grandes difficultés. Mais il restait à conquérir. En 1938, ce sont finalement trois Italiens inconnus, qui arrivent en ski depuis Courmayeur, posent leur matériel au pied du mur et achèvent tranquillement l'éperon Walker par sa face nord. Les guides de Chamonix n'en reviennent pas. Le leader de cette petite équipe italienne s'appelle Riccardo Cassini, que presque personne ne connaît dans le massif du Mont Blanc. C'est un véritable génie de l'escalade et une légende vivante en Italie.
Originaire de Lecco, il s'est fait connaître en répétant et en ouvrant un bon nombre de voies de 6e degré dans les Dolomites. À partir de 1937, il décide de changer de terrain et de s'attaquer aux courses granitiques des Alpes occidentales. Avec son camarade Esposito, qui sera de nouveau de la partie au Grand Jorass, il commence par réaliser la première ascension de la face nord du Piz Badil. L'importation des techniques d'escalade artificielle imaginées sur le calcaire des Dolomites constituera une approche totalement innovante sur le granit. Et c'est sûrement ce qui a permis à Cassine de réussir là où les guides de Chamonix s'étaient acharnés en vain. En 1938, c'est aussi la première tant attendue de l'Eiger. Cette face nord, dont beaucoup commençaient à se demander si elle était vraiment faisable, a connu de multiples tentatives dans les années 30, la plupart ayant connu un dénouement tragique. La difficulté technique de cette paroi quasiment verticale était surtout amplifiée par son mauvais temps caractéristique et les tempêtes très violentes qui pouvaient s'y déchaîner. Le film « Duel au sommet » relate l'une de ses plus célèbres tentatives malheureuses, qui s'acheva avec la mort de Tony Kurtz et Andreas Hinterstoisser, deux Allemands pourtant bien partis pour réussir. La face nord de l'Eiger avait ceci de spécial qu'elle était devenue une véritable scène à ciel ouvert qui attirait les foules. Les hôtels de la gare de Kleine Scheidegg offraient une vue imprenable juste en face de la paroi. Les journalistes pouvaient donc observer à l'aide de jumelles les alpinistes durant toute la durée de leur ascension et être parfois témoins directs de leur trépas. Le corps de Tony Kurtz, suspendu au bout de sa corde, fut ainsi visible pendant plusieurs mois, offrant une expérience macabre aux touristes en quête de sensations fortes. En ce mois de juillet 1938, ce sont deux cordées qui entreprennent l'ascension. L'une est autrichienne, composée de Fritz Kasparek et Heinrich Harrer. L'autre est formée par les guides allemands Ludwig Vorg et Andreas Eckmeier. Les quatre hommes finissent par unir leurs forces au cours de l'ascension, et c'est Eckmeier, plus aguerri et mieux équipé, qui prend la tête. Le 24 juillet, la cordée sort vainqueur au sommet de la face nord de l'Eiger. Le mythe est tombé et les trois grandes faces nord sont conquises. Après ce succès retentissant, Fritz Kasparek est le premier à parler des trois grands problèmes des Alpes, expression reprise par son camarade Eckmeier dans le livre qu'il publie en 1949. Ce passage à la postérité littéraire fera beaucoup pour construire un peu plus la légende des trois faces. C'est le guide français Gaston Rébuffat qui fut le premier à compter les trois faces nord à son palmarès. Il en réalise les ascensions entre 1945 et 1952. Il ajoutera ensuite trois nouvelles faces nord à cette collection, celle du Petit Dru, celle de la Cima Grande di Lavaredo et celle du Piz Badil. Dans son livre Étoiles et tempêtes, il parle ainsi des six grandes faces nord des Alpes. Dans les années 1980, c'est le français Christophe Profi qui fera passer les trois grandes faces nord et l'alpinisme dans une nouvelle dimension. En 1985, il enchaîne dans la même journée face nord du Cervin, face nord de l'Eiger et sommet des Grandes Jorasses par la voie du Linceul. Trois courses mythiques et extrêmement exigeantes dans la même journée. Pour maximiser son temps, il utilise un hélicoptère pour se déplacer d'une montagne à l'autre. Il établit au passage la première ascension en solitaire et en moins d'une journée de la face nord de l'Eiger. Dans son livre de 1958, Heinrich Harrer avait déclaré que l'homme qui gravirait deux fois l'Eiger par la face nord n'existait pas et n'existerait sans doute jamais. Christophe Profi est aujourd'hui détenteur du record absolu puisqu'il a gravi l'Eiger à 10 reprises. En 1987, il enchaîne les trois faces nord en hiver et en seulement 40 heures. L'histoire nous montre avec quelles difficultés extrêmes ces parois ont été conquises. Les ascensions du français représentent donc des exploits absolument incroyables, tant par l'ambition du projet que par le talent nécessaire pour le réaliser. L'histoire de l'alpinisme a toujours été une succession de derniers grands problèmes. À chaque fois qu'un défi était résolu,
l'instinct de l'alpiniste a toujours trouvé une nouvelle limite à dépasser. Les grandes faces nord des Alpes furent longtemps un obstacle majeur dans la marche en avant de la conquête des cimes. Ce n'est plus désormais qu'une période charnière de l'histoire de l'alpinisme, que nous regardons avec respect et admiration. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, je vous encourage à liker, partager, commenter et bien sûr vous abonner. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.